Malaika. Nakupenda Malaika. Malaika. Élever notre Dieu. In everything we have to put the name of God in first place. Dans les moments de joie comme dans les moments de malheur. In the time of joy as in the time of sadness. Ça c'est un moment de malheur. This is a time of sadness. Nous n'allons pas oublier Jésus. We never going to forget Jesus. Nous allons l'élever malgré cela. We have to lift up his name no matter what. Avant toute chose, nous allons nous mettre debout. Before everything, can we please? Nous allons fermer nos yeux et nous allons dire merci à notre Dieu. And we're gonna thank God. Nous allons élever le nom de Jésus.
We're going to lift up the name of Jesus Christ. Prions. Let us pray. Nous élevons ton saint nom, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous t'exaltons, toi, le créateur incréé. Toi qui nous as donné cet enfant et qui a repris cet enfant, nous te disons merci. Nous élevons ton saint nom et nous te bénissons. Et nous voulons remettre ces moments entre tes saintes mains, ô Seigneur. Laisse que tout ce que nous ferons glorifie ton saint nom. Que tout ce que nous dirons soit pour la gloire de ton saint nom. Laisse que ton Esprit Saint vienne consoler les affligés. Et que ta paix règne parmi nous. And your peace may be in us. Nous avons besoin de toi. We need you right now. Viens nous conduire. Come conduct us. Viens nous soutenir. Come sustain us. Et support. Bénis ces moments. And bless this time. Et soutiens la famille qui est éprouvée. And support the family that has come. Au nom de Jésus. Jesus Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je suis le pasteur Édouard Kandou. Je dirige l'église de Dieu à Brooks. I direct the church located in Brooks. Mais j'aime parler de Jésus. But I like talking about Jesus. Voilà pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles. That is why we're gonna open the Bible today. Dans l'évangile selon Luc. In the book of Luke. Chapitre 16. Chapter 16. Nous allons lire du verset 25 au verset 31. We're gonna read in verse 20, 35. Abraham répondit. Abraham responded. Mon enfant. My child. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Remember that you have received your good during your life. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. And Lazare had his word towards your journey. Maintenant il est ici consolé. Now he's here consoled. Et toi tu souffres. And now you're suffering. D'ailleurs, as well, il y a entre nous et vous un grand abîme. There is you between us, there's a big gap. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous. So that whoever wants to pass between you, d'où de là vers nous ne puisse pas le faire. So who wants to pass between us wouldn't be able to do it. Les riches dit, and the rich said, je te prie donc, Père Abraham, I'm taking you as Father Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, to send Lazare to the house of my father, car j'ai 5 frères, as well I have 5 brothers, c'est pour qu'il leur dise ces choses, so you can tell them these stuff, pour qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment, so they cannot be in this situation. Abraham répondit, and Abraham responded, ils ont Moïse et les prophètes, Moses and the prophets, qui les écoutent, to listen to them. Et il dit, and he said, non, Père Abraham, no, Father Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, if somebody of dead goes near them, ils se repentiront. They will be repent. Et Abraham lui dit, and Abraham said, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, and if they don't listen to Moses and the prophets, ils ne se laisseront pas convaincre même si les morts ressuscitaient. They will never be as conceived even though the dead has raised, rose. Amen. Ce qui nous amène ici, c'est la mort. What is bringing us here is death. Face à la mort, a person is called. Et la mort est un rappel. And the death is a recall. La mort nous rappelle la première chose. The death is reminding us first thing. C'est que nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. That we are sand and we go back to the sand. Si vous avez ces rappels, and if you remind yourself that, cela va amener l'humilité en vous. And that will bring such a humbleness in you. Cela va vous amener à reconnaître qu'il y a un Dieu qui nous a créés. And that will remind you that it was a God that created us.
et que ce Dieu-là mérite d'être adoré. And that God is deserved to be glorified. Cela va nous pousser à nous attacher encore davantage à ce Dieu-là. That will send us more to be so attached to that God. Et la mort nous interpelle sur une chose. And the death is recalling us on one thing. Nous sommes sur cette terre comme des passagers. We are here and on this earth as passengers. Nous n'allons pas rester ici éternellement. We're not gonna stay here forever. Nous sommes là pour un temps. We are here just for a short amount of time. Comme la Bible dit, il y a un temps pour tout. There's a time for everything. Il y a un temps pour naître. There's a time to born. Il y a un temps pour mourir. And there's a time to die. Et quand la mort arrive, and when that death comes, cela doit nous rappeler cette réalité. That is why we need to recall that reality. Que nous sommes ici comme des passagers. That we are here just as passagers. Ce n'est pas notre monde. It's not our world. Nous venons d'un autre monde et nous retournerons dans ce monde-là. We are coming from another world and we will go back to that. Et pendant notre séjour sur cette terre, as our journey in this earth, nous devons nous préparer au retour à nos origines. We have to prepare ourselves to return to our origin. Si vous ne vous préparez pas, if you, we don't get ready, votre retour peut se faire d'une manière très mauvaise. Your return could be a bad. L'enfant qui vient de nous quitter, this beautiful soul that has left us, est innocent. Very innocent. Il n'a rien à voir avec ce monde. Has nothing to do with this earth. Mais quand nous nous retrouvons dans des circonstances pareilles, but when we find ourselves in this situation, nous parlons de la parole de Dieu. We are talking about the word of God. Nous ne parlons pas à celui qui vient de nous quitter. But we're not talking about the soul that left us. Nous parlons à ceux qui sont restés. We are talking about us, the ones that we are here. La mort nous interpelle. And the death is calling us, recalling us. Et nous demande de nous préparer. And telling us to be prepared. Nous allons nous préparer en renonçant à tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. We need to be prepared by knowing who it does not praise the name of God, Jesus. Nous allons Christ. Nous préparer lorsque nous marchons main dans la main avec Jésus. But we will get ready when we walk hands by hand with Jesus Christ. Nous allons nous préparer lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. We have to get ready because when we respect and we obey the word of God. Le texte que nous venons de lire, this context that we just read, nous parle de deux hommes. It's talking us about two men. Il y avait un homme riche, there was a rich man, et le pauvre Lazare. And the poor Lazare. Ils étaient vivants sur la terre. All of them, they were living on earth. Mais ils menaient deux vies différentes. They were both had very two different lives. Les riches étaient riches, ils vivaient dans la richesse, dans l'abondance, dans l'opulence. The rich was rich, he lived in a good life, he lived happily. Et le pauvre Lazare était pauvre, il vivait dans la misère et dans la souffrance. And the poor Lazare was poor, he lived in suffering and he lived in a very miserable life. Mais la Bible nous dit que les deux sont morts. But the Bible tells us both of them died. C'est pour vous dire que la mort est le chemin de tout le monde. To tell you that death is a way of everybody. It's la mort ne choisit pas seulement les pauvres ou les riches. And death does not choose if you are poor or if you are rich. Devant la mort, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. In front of death, if you are rich or if you are poor. Un jour invité à quitter cette terre. We are all going to be called one day to leave. Et c'est la mort qui nous amènera vers une autre vie que nous allons vivre. And that is death who's going to take us from another life. La Bible nous dit, and the Bible is telling us, que les riches après la mort, the rich after the death, est allé dans un lieu de tourment. He went into a very disturbing place. Là où il est allé, il souffrait. Where he went, he was suffering. La preuve c'est que il avait besoin de l'eau. The proof was that he was very thirsty. He needed water. Qu'il demandait à Lazare. And he was asking to Lazarus. Quand la Bible nous parle de manque d'eau, when the Bible tells us about lacking of water, cela est synonyme de la souffrance. It is significant to a suffering. Donc les riches souffraient là où ils étaient. That means that the rich was very struggling. Alors que sur la terre il était heureux. But on earth he was very happy man. Mais la Bible nous dit encore, il a vu Lazare avec Abraham.
But the Bible tells us again that he saw Lazarus with Abraham. Lorsque la Bible parle d'Abraham, when the Bible is telling us about Abraham, nous devons voir la foi. We need to see that there is parce que Abraham est notre père dans la foi. Because Abraham is a father in faith. Cela veut dire que durant son existence sur la terre, il avait cru en Dieu. That means that when he lived on earth, he believed in God. Et les riches qui étaient dans la souffrance, and that rich that was in struggling, cela veut dire qu'il n'avait pas cru en Dieu. That means that he did not believe in God. Cela nous montre ce qui va nous arriver après notre mort. That is showing us what is going to happen to us after this earth. Ceux qui ont cru en Dieu, those ones who believed in God, vont vivre dans un lieu de paix. They will live in a very happy place. Parce que la Bible dit que là où Lazare était, c'est là où il y avait de l'eau. Because the Bible tells us where Lazarus was, that where there was water, plenty of water. C'est-à-dire qu'il y avait la vie. That means there was life there. Il y avait la paix. There was peace. Il y avait tout ce que l'homme a besoin pour vivre d'une manière heureuse. And it had everything that a man, a woman could live and be happy. Là où les riches étaient, il y avait les tourments, il y avait la souffrance. And where the rich man was, there was struggling, there was suffering. Le reste de votre existence sur cette terre. What life you're gonna take during our existence in this earth? Croire en Dieu et marcher avec Jésus. Believe God and walk with Jesus Christ. Ou bien rester sans foi, païen et se laisser conduire par le plaisir du monde. Or stay without no faith and just carry yourself into the pleasure of this earth. Que cette parole interpelle chacun de nous. May this word could recall every single person. Laisse que le Saint-Esprit parle au-delà de ce que je vous dis à chacun de nous. When the Holy Spirit is talking beyond what I'm saying in front of you. Pour que chacun de nous puisse comprendre quelle vie choisir durant notre existence sur cette terre. So all every single of us to choose what kind of life we want to live in this earth. Les riches avaient demandé à Lazare de lui donner de l'eau. The rich call asked for Lazarus to give him water. La réponse que la Bible nous donne, and the response that the Bible is telling us, dit qu'il y a un grand fossé entre vous et nous. Il n'y a pas de relation entre vous qui êtes dans le lieu de tourment et nous qui sommes avec Abraham. It is said there is a huge barrier between us, you people who are here beside all the suffering, and us who are here beside Abraham. Si vous suivez la vie de plaisir durant cette existence terrestre, if you choose the life of pleasure on this earth, vous oubliez Dieu. You're forgetting God. Cela risque de vous conduire là où les riches est allé après sa mort. That might be one of the things that could happen to you where the rich man went. Mais si vous croyez en Jésus, but if when you believe in God, et que vous marchez selon la parole de Dieu, and you walk towards the word of God, après votre mort, vous irez là où Lazare est parti, là où il était avec Abraham. After your death, you're gonna go where Lazarus went beside Abraham. Les lieux de paix. Place of les riches a demandé à ses dire à ses cinq frères. And the rich man asked, please tell my brothers, my five brothers, de ne pas vivre comme moi j'ai vécu. Do not live the life that I lived. Il dit à Abraham d'envoyer Lazare. He's telling Abraham to send Lazarus to tell them that. Mais Abraham a dit. And Abraham said. Dieu a déjà envoyé Moïse. God has already sent Moses. Il a envoyé les prophètes. He already has sent prophets. Pour les enseigner. To go teach them. Et les riches a dit à Abraham. And the rich men said to Abraham. Si ils voient un mort ressuscité, aller les enseigner, ils vont croire. If they see a dead person to rose and to go tell them, then they'll believe. La Bible dit. And the Bible said. Il est donné aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. It has been given to a man to only die once and then after come the judgment. Lazare ne pouvait plus y aller. Lazarus could not go. Et c'est pourquoi Dieu continue à envoyer des prophètes pour parler à ceux-là qui n'ont pas encore écouté sa parole. That is why God continues sending prophets to talk to those who haven't received. Ces prophètes-là, on les retrouve encore aujourd'hui dans nos églises. And those prophets, we find them in our churches. Écoutez ce qu'ils vous disent. Listen to what they tell you. Et
faites ce qu'ils vous demandent de faire. And do as they want to, they tell you to say. Et vous allez vivre comme Lazare. And you're gonna live as Lazarus lived. Et non comme les riches. Not as the rich man. Nous sommes réunis ici dans les malheurs. We are all reunited here in the pain. Mais que la parole de Dieu nous réconforte. But may the word of God could comfort us. Que la parole de Dieu nous fortifie. May the word of God could support us, fortify us. Et que des circonstances comme ça soient un enseignement pour chacun de nous. So circumstances like this could be a teaching or a learning experience for us. Et que cela nous aide à nous approcher de Dieu et à nous attacher à ce Dieu-là. To help us be closer to that God. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux. We're gonna close our eyes. Only you, Jesus, only you, only you, only you, Jesus, only you, you, Jesus, only you, only you, only you, Jesus, only you, only you. Only you, Jesus, is only you. Only you, only you, Jesus, only you. Only you, only you, Jesus, only you. Only you, only you, Jesus, only you. Nous élevons ton saint nom, toi le Créateur incréé. We lift up your name as your saint who created. Toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. You, God of Abraham, Isaac and Jacob. Nous voulons encore te dire merci pour cette situation qui nous réunit en ces lieux. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour la famille qui est éprouvée. Laisse que ton Esprit Saint, qui est notre consolateur, puisse apporter la consolation. Soutiens tes enfants, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Donne la paix, Seigneur, au cœur troublé. Give them peace to the heart that is troubled. Essuie les larmes de ceux qui pleurent, Seigneur. And wipe off all those tears that are Nous élevons ton saint nom car tu es celui qui comble le vide qui se crée dans nos vies. We lift up our name because you are the one who fill up the empty spaces in our lives. Tu es celui qui restaure ce qui a été détruit. And you're the one who restores what has been destroyed. Nous t'appelons Jéhovah Jireh car tu es celui qui pourvoit. Ce que nous perdons en toi, nous les retrouvons. Bénis cette famille, Seigneur. Bless this family. Bénis ton peuple. Bless your people. Bénis chacun de nous présents en ces lieux. Every single person here in this moment. Et bénis les responsables de ces lieux qui nous accueillent. And bless the person responsible for this place. Au nom de Jésus. In my name of Jesus Christ. Amen. Amen. Heavenly Father, we just come before you, asking for your grace and your mercy and your peace. And Lord, as we lay poor little sweet Malaika into the ground, we remember that this is just her body that's going into this ground, because her spirit, she is at home with you now, Lord. And we just pray that you'll take care of her and keep her, we know, Lord, and that you'll just comfort our families and draw us together, Lord, because we're going to need you through the days and weeks and months ahead. And you tell us that you draw close to those who are suffering and who are mourning, Lord, and we can be confident and assured that you are going to be with us as we go through this time, Lord. Be with my sweet niece and be with Dr. Christian and Donna and all the family, Lord, because it's going to be a tough road. And I pray that they are going to hang on to that hope of knowing that you are with them, that you will lead and you will guide them and you will give them all that they need to continue to stand strong even in the midst of this terrible tragedy, Lord. We cry out to you, Jesus. We need your help and we need your strength and support and your love. And let your Holy Spirit fill this place, Lord.
Let it descend upon us and let it descend upon Donna and Christian right now, Lord, filling them with your peace and your hope, your peace that surpasses all understanding, Lord. It's not the peace that the world gives, the only peace that can come from you that helps us through these times. When there's nothing else that we can hang on to, where do we hang on to? We go to our mighty rock and our strength, the one who sustains us, the one who lifts us up, the one who just transforms us and gives us, you know, brings beauty out of the ashes. And so, Lord, we just claim that, and we're just crying out to you. And as we lay this poor little one to rest, Lord, we just ask that you'll walk with us, Lord, and give us the strength we need. We just love you so much, and we thank you that you are always with us and that you were there with Malaika to take her home safely. Your loving arms just carried her home, Lord. And so we love you, and we praise you, and we give all honor and glory to you, Lord. We ask it in Jesus' name. Amen. Amen. I'm sorry that I left you. I know you feel alone. But God told me that he needed me. He called me to come home. In what seemed to be an instant, in the twinkling of an eye, an angel gently took my hand and led me toward the sky. As I ascended into heaven, beyond the pearly gates, angels were rejoicing. Then I saw his radiant face. God's eyes shone down upon me from the glory of his throne. He said, enter into paradise, 'cause heaven's now your home. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. God told me not to worry. He said you'd be okay, because eternity's forever, and we'll meet again someday. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. Flying with the angels, heaven's now my home. Miss your voice, miss your smile, everything about you worth the while. Always wondering where you are. I hope you're with us, near or far.